Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre frère ami, l'apôtre Paul Mwanga. Je viens faire cette courte exhortation pour réconforter une sœur, un frère, qui se dit, il y a tant d'obstacles devant moi, il y a des barrières, je n'arrive pas à avancer, à évoluer dans ma vie. Écoutez, il est écrit dans le livre, le psaume chapitre 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Heureux ceux qui s'appuient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur un chemin tracé. Bien-aimés, les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'esclavagisme. Ils ont sorti de l'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge et les enfants d'Israël se sont bloqués. La mer Rouge est devenue l'obstacle pour eux. Et tous, ils ont commencé à pleurer. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui venaient pour les tuer. Les enfants d'Israël se paniquaient. Les enfants d'Israël criaient à Moïse. Mais Moïse plaçait son appui à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, aujourd'hui, vous verrez la délivrance. C'est comme ça que Dieu, il a ouvert le chemin. La mer Rouge s'est divisée en deux. Et les enfants d'Israël, ils ont traversé à sec. Car la Bible dit, ceux qui s'appuient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur un chemin tracé. Je voulais dire à quelqu'un, ce jour-là, la mer Rouge qui était un obstacle, mais tellement Moïse s'appuya à l'Éternel, la mer Rouge, Dieu a ouvert un chemin là où il y avait la mer. Mais dans la mer, le chemin s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'un homme s'appuyait à l'Éternel. Je voulais dire à une sœur, à un frère qui est en train de me suivre dans ce net moment, place ton appui à l'Éternel et Dieu ouvrira un chemin pour toi. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des barrières. Mais plus tu t'appuies à Dieu et Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Cette exhortation, je le fais pour te réconforter. Peut-être tu étais découragé, abattu. Tu te disais, qu'est-ce que je vais faire? La solution, c'est de s'appuyer à l'Éternel. Et plus tu t'appuies à l'Éternel, Dieu va ouvrir un chemin. Il va tracer un chemin. Et la Bible dit, ceux qui s'appuient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Écoutez, je prie Dieu pour toi, que Dieu t'ouvre un chemin. Appuie-toi à Dieu et tout tes chemins seront ouverts. Là où il y avait des obstacles, là où il y avait des barrières, et tu verras, Dieu va te faire traverser à sec. Aimez notre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche. Comme ça, vous aurez nos notifications à temps réel. Parce que très bientôt, nous allons commencer nos lives des prédications, des enseignements et surtout des prières fortes de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche et vous aurez nos vidéos à temps réel. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre frère, ami, l'apôtre Paul Mwanga.